On est là, hein. Recule un peu. La Côte d'Ivoire a gagné le droit de manifester, la Côte d'Ivoire a gagné le droit de marcher. Or, ce droit est un droit fondamental, parce que c'est l'expression de notre souveraineté. Dans un pays démocratique, dans un pays souverain, dans un pays où le pouvoir appartient au peuple et est exercé par le peuple pour le bien du peuple, ce qui est la définition de la démocratie, le pouvoir doit avoir le droit d'être dans la rue quand il n'est pas... Le peuple doit avoir le droit d'être dans la rue quand il n'est pas content. Que nous nous sommes, nous debout pour... Ce n'est pas parce que vous êtes ma femme. Le peuple est le premier gardien de la gestion du pouvoir d'État. Le peuple est le premier contre-pouvoir dans l'exercice du pouvoir d'État. Quand le peuple, même démocratiquement, confie le pouvoir à un homme ou à une équipe, ce n'est pas un chèque en blanc pour faire ce que ceux-là veulent faire. Le pouvoir le peuple doit être présent en permanence dans la gestion du pouvoir. C'était une fois une terre ivoirienne.